Donc, Madame la Maire, Monsieur le Président d'accord, euh, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les commerçants, Mesdames, Messieurs, c'est avec joie que nous vous accueillons ce soir pour cette exposition enthousiasmante. Je remercie Monsieur Blachon d'avoir pensé à la bibliothèque pour cet accrochage. Je remercie également Brigitte, son assistante, qui est par ici, euh, et Annie, ma collègue, pour avoir installé les commerçants d'Ornans d'hier et d'aujourd'hui. Le résultat, je dois le dire, dépasse nos espérances. En effet, quand nous nous sommes entendus avec Accor pour montrer à nouveau ces documents, nous n'imaginions pas que nos murs et nos espaces seraient aussi richement occupés. Ce qui m'a amené à constater la grande proximité, pas forcément évidente de prime abord, entre Accor et la passerelle. La passerelle, c'est donc ici. La bibliothèque est, entre autres, un lieu de mémoire et de valorisation du patrimoine ornanais. En ce mois de novembre, Accor nous démontre que les, que les commerçants occupent une place primordiale dans notre ville et que leur histoire fait grandement partie de notre patrimoine. Mais Accor, au même titre que la bibliothèque d'ailleurs, c'est surtout un ancrage au quotidien dans notre territoire qui confère à Ornans un dynamisme vital et qui renforce le rayonnement et l'attractivité de notre belle ville. C'est donc avec conviction que nous allons participer à démontrer à notre public que les commerçants sont une richesse pour Ornans. Je voudrais conclure en précisant que la bibliothèque a pensé depuis longtemps à vous, mesdames et messieurs les commerçants et les travailleurs, puisque nous avons ouvert un créneau d'accueil du public le jeudi, entre midi et deux, afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent bénéficier de nos nombreuses ressources. Et juste avant de passer la parole à monsieur Blachon, je conclurai en vous remerciant et en souhaitant à tous les commerçants une belle activité commerciale pour cette fin d'année. Je vous remercie. Euh... Ben, bonsoir à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, merci à Madame la Maire, Isabelle guillaume, d'être présente ici, euh, aux élus euh, représentant la municipalité qui sont également en nombre et je les remercie. Euh, également à Loïc Jouvent, qui a, euh, qui nous reçoit au sein de la médiathèque ce soir, euh, à Annie qui nous a aidé ce matin à faire l'accrochage des tableaux ainsi qu'à Brigitte. Euh, Marion qui est ici, qui nous a donné un coup de main également pour cet accrochage. Et euh, donc, euh, euh, pourquoi réaliser une exposition de photographies de commerce qui sont disparues depuis des décennies, disparues à tout jamais Alors, j'ai envie de dire, c'est parce que cela fait du bien à l'âme. Exposer le passé, c'est prendre le temps, faire une pause. Et pour nous, commerçants qui sommes souvent dans la course, la tête... Et les neurones dans le guidon, cela fait du bien de voir le passé ainsi figé. Cela fait du bien d'emprunter cette machine à remonter le temps pour découvrir des figures oubliées, des métiers disparus. Ce voyage en arrière, autant des rues pavées et des chevaux à charrettes, autant naissant de l'électricité, du téléphone, du phonographe et de l'automobile, illustre les changements incroyables de nos cités et la marche implacable du progrès. Cette exposition est un regard pour mesurer le chemin parcouru, un regard vers cet ornant qui comptait à l'époque quatre boucheries, trois horlogers, quatre épiceries, un regard aussi pour se projeter au loin, vers un chemin qui n'est pas encore tracé. Le bon vieux temps a existé, notre temps actuel est autre. Et il sera un jour notre bon vieux temps à nous. D'ici là, il nous faut affronter le quotidien, les bouleversements massifs. Des modes de consommation, de déplacement. Les pouvoirs publics ont un rôle majeur pour, pour accompagner et soutenir le petit commerce. Sans ce soutien, cette attention de tous les jours, le fragile éco-équilibre de notre centre-bourg risque un déséquilibre et un amoindrissement de son attractivité. Je sais euh, que nos élus de la municipalité, connaissent les enjeux de la revitalisation des centres-villes et mesurent les grandes tâches à mettre en œuvre. Je les remercie au nom de l'association pour cet engagement et pour leur volonté forte de sauvegarder nos commerces. Pour terminer, je tiens à remercier les bénévoles de l'association, l'ensemble des adhérents, les commerçants ici présents, qui sont maintenant de plus, un peu plus d'une soixantaine. Grâce à leur soutien, alors, action collective, notre association continue d'avancer pour créer du lien, défendre les intérêts de chacun et bâtir un quotidien profitable pour toutes et tous. Monsieur le Président de l'Association des commerçants, cher André, Mesdames et Messieurs les commerçants, euh, Mesdames et Messieurs les élus, euh, Loïc euh, et Annie, bien sûr, fidèle salarié de la médiathèque, pilier de la médiathèque, on va dire, les euh, chers amis. Donc, en fait, dans la vie, il est important de faire une pause, ce que tu as dit, et de regarder en arrière pour bah, constater ce que l'on fait à présent. C'était toujours mieux avant, mais c'est bien aussi maintenant. On ne peut pas tout… Oui, il y avait quatre boucheries, mais il y en a une qui est reprise aujourd'hui aujourd par un jeune couple. Enfin, par un jeune, c'est père. Non, pas un jeune couple, un jeune. Un jeune. Je croyais que c'était le… En fait, je croyais que sa femme venait aussi là, mais en fait, c'est deux garçons, j'ai vu. que. Bon, donc euh, faire cela pour mettre les choses en perspective et vous seriez surpris de voir à quel point cela peut aider. C'est un peu le sens de cette magnifique exposition sur les commerces d'Ornan d'hier et d'aujourd'hui que vous nous donnez à découvrir ou à redécouvrir parce qu'on l'avait déjà vu à la salle du caveau. Du caveau, du... caveau oui. Et je tiens donc à vous féliciter pour tout le travail réalisé, de recherche en tout cas, sur le commerce en temps. et ça c'est très agréable. Et je regardais encore, j'ai l'ai déjà vu mais je suis encore surprise par, par la, petite, la route là, pavée où il y a une voiture et plein de vélos. C'est mon rêve. Ça, 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 je rêve. Donc, l'on remarque donc au travers des nombreux clichés combien de commerce a évolué sur le territoire de la commune. Évidemment, Les enseignes ont disparu, d'autres se sont installés. Le commerce en est en constante évolution, comme le commerce, je dirais bien, partout, pas qu'à Orna. Évoluer toujours, c'est d'ailleurs une de vos obligations pour renouveler l'attention des clients de plus en plus. Allez, je vais dire averti. Cela nécessite pour le commerçant d'être en veille constante et d'avoir une vue tournée sur le futur. Pour identifier quelles seront les tendances qui auront un impact sur l'évolution de son commerce. Si le commerce se transforme et devient plus complexe, plus hybride, le client aussi change. Armé de son téléphone, il navigue en permanence sur les réseaux sociaux, flairant la bonne affaire, se documentant tant sur les produits. Mieux informé, ses attentes sont toujours à la hausse, que ce soit en matière de qualité que de service. Il s'est digitalisé dans son parcours d'achat, imposant aux commerçants de faire la même. Pour placer ses, enfin la même chose pour placer ses prestations et son expertise. Dans cette nouvelle relation commerçant-client, les collectivités, effectivement, doivent accompagner les commerces dans leur action et dans leur aménagement, en tout cas dans l'aménagement du centre-bourg. L'implication de la ville se décline également par le biais de subventions annuelles ou ponctuelles, par la mise à disposition de ses infrastructures, que ce soit des salles municipales et de ses personnels. Pour les samedis piétons, par exemple, cette exposition... En plus, on a un exemple frappant, l'association et la médiathèque. C'est une, une belle rencontre. Je, donc, je profite d'ailleurs ici pour dire que la Commune a acté lors du, du Conseil municipal le fait de créer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. Nous allons faire un dossier à la, chambre, à la CCI, à la Chambre de Commerce et d'Industrie, pour pouvoir, en tout cas, euh, pour faire simple, c'est en fait quand on, on saura par avance quand un commerce est en vente. Ce qui se passe actuellement, c'est quand on, on voit une, une, une enseigne changer, mais on, on, on le sait en même temps que tout le monde, quoi. on est presque mis devant le fait accompli. Avec ce droit de préemption renforcé, en fait, on sera, nous, communes, informés bien en amont. Est-ce qui pourra permettre peut-être d'acheter aussi des fonds pour le louer, pour, euh, enfin, voilà, pour essayer d'anticiper un petit peu et d'éviter. Alors, moi, je suis pas contre le tertiaire parce qu'il y a beaucoup de choses tertiaires qui sont très importantes. Mais, euh, mais en tout cas, que, que le tertiaire ne, voilà, ne monopolise pas tout le centre-ville. Euh, autre chose, euh, on en a déjà parlé. Euh, là, on est en train de faire l'entrée le, d'Ornan. Vous avez vu, tout est. Tout est déboîté hein, puisque nous sommes en train de faire une piste cyclable d'un côté et un trottoir de l'autre, chose de sécuriser, sécuriser l'entrée le, et la sortie des entreprises comme Guillain et Alstom, euh, Guyen et, et Rivex bientôt qui va déménager. donc euh, la suite logique c'est l'aménagement du centre ville. Donc là, un cahier des charges est en train d'être rédigé pour choisir un maître d'œuvre, parce que là, on ne va pas le faire en interne, c'est quand même très complexe, avec une concertation. Alors bon, forcément, avec la Covid, alors on a pratiquement perdu deux ans. Hein. Bon, après, on n'a pas perdu deux ans, parce qu'on est à 5 millions d'investissements sur le territoire en 2022. C'est plus que les sept dernières années. Donc je pense qu'on n'a pas perdu notre temps, même si on, on pense qu'on ne fait pas grand-chose. 5 millions d'euros investis sur le territoire. Donc, euh, donc en fait. Euh, là il va y avoir une concertation d'ailleurs je t'ai invité andré nous allons à dole le 11 janvier pour aller visiter le centre ville a intégralement refait son centre ville en faisant des travaux par tranche pour ne pas gêner justement les commerçants et euh, anticiper et voir enfin justement comment est-ce qu'on peut faire et nous allons re rencontrer aussi les commerçants qui avec cette restructuration du centre ville finalement mais on, on en échangera avec eux, on gagnait plus de 20% de chiffre d'affaires parce que les gens peuvent venir dans les commerces. Ce qui n'est pas le cas actuellement avec la circulation qui, bien sûr, le temps, ce temps-là, mmh. même si on en rêve, voilà, la, la circulation à double sens, des trottoirs très étroits, des voitures partout, on ne voit même pas les commerces. Donc tout ça, à, voilà, il va falloir qu'on qu y travaille. Donc, euh, donc comme vous l'avez dit, Loïc, dans votre propos, les commerçants occupent une place importante dans l'histoire de notre ville et de son patrimoine. Et je, donc, euh, je me réjouis de ce partenariat. Je le dis encore parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant ce partenariat. Et puis je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que quand même, on va avoir un coup. Donc merci, merci à vous tous.